Bonjour les voyageurs, c'est Frédéric qui vous parle. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance qui va commencer dans quelques secondes. Mais avant ce moment de bien-être, j'ai un cadeau pour vous. Que diriez-vous de recevoir mes mails privés ? Ce sont des courriels écrits rien que pour vous, que vous recevrez gratuitement dans votre boîte mail 2 à 3 fois par semaine. Et dans ces mails, je vous partage des conseils en développement personnel tirés de mon expérience de thérapeute, mais aussi des histoires qui me sont arrivées lors de mon propre chemin d'éveil, des récits d'aventures chamaniques, des secrets que je ne partage que dans mes mails privés. Mes lecteurs d'ailleurs disent souvent que ces petits mails les aident à faire une place à leur spiritualité dans leur vie quotidienne. Et c'est vrai que lire un mail le matin ne prend que quelques minutes, mais leur renseignement vous suivra toute la journée. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le bouton en haut à droite de l'écran et inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir votre premier mail demain matin. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous allez penser de mes histoires, mais cette fois on y va, c'est parti pour votre vidéo, mettez-vous à l'aise, offrez à votre esprit le temps de ralentir et laissez-vous embarquer dans un merveilleux voyage à mes côtés. Dans cette séance, vous allez expérimenter un voyage dans le futur, peut-être découvrir ce que votre vie pourrait être. Et dans ce voyage, vous allez vous laisser aller et laisser l'ensemble de vos désirs profonds se matérialiser. Et pour démarrer cette séance et pour partir encore plus vite dans cet état hypnotique, je vous invite à réaliser quelques respirations profondes afin de rentrer à l'intérieur de vous-même. Prenez le temps de respirer profondément. Prenant conscience de votre corps, et le moment où vous fermerez les yeux, si ce n'est pas encore fait, sera le moment où vous serez déjà parti pour ce voyage intérieur. Pendant cette séance, vous resterez pleinement concentré sur le son de ma voix. Et si vous entendez des bruits pendant cette séance, ils pourront vous accompagner encore plus profondément dans la relaxation et vous resterez totalement concentré sur le son de ma voix, sur ce que je vais vous dire. Et si votre mental venait par moments à s'inviter à cette séance, c'est très bien. Vous pourrez tout simplement continuer de le laisser de côté pour vous focaliser sur le son de ma voix. À partir de maintenant, vous portez votre attention sur les différentes parties de votre corps que je vais citer. Et vous allez inspirer en vous concentrant sur cette partie de votre corps, en vous concentrant sur vos ressentis, et vous allez ensuite expirer en souriant à cette partie de votre corps. Vous savez, lorsque l'on sourit, nos muscles se détendent, le sourire procure une sensation de bien-être. Et vous allez envoyer toute cette détente et tout ce bien-être dans les zones de votre corps que je vais citer. Et nous allons commencer par les pieds. Inspirez en vous concentrant sur vos pieds et expirez en souriant à vos pieds. Et si votre rythme de respiration
est un peu différent de ce que je vous propose ici. Plus long, plus rapide. Cela n'a aucune importance. Calez-vous sur votre propre respiration. Vous avez le temps. À présent, inspirez en vous concentrant sur vos mollets et expirez en souriant à vos mollets. Inspirez en vous concentrant sur vos cuisses et expirez en souriant à vos cuisses. Et vous pouvez maintenant sentir que vos jambes sont plus relaxées grâce à ces respirations. Sont-elles plus lourdes que tout à l'heure? Sont-elles plus légères que tout à l'heure? Sentez-vous une différence de sensation dans vos jambes depuis que nous avons démarré cette séance? Et puis vous allez continuer cette respiration souriante. Inspirez maintenant en vous concentrant sur votre bassin. Expirez en souriant à votre bassin. Inspirez en vous concentrant sur votre ventre. Expirez en souriant à votre ventre. Inspirez en vous concentrant sur votre colonne vertébrale. Expirez en souriant à votre colonne vertébrale. Inspirez en vous concentrant sur vos poumons. Expirez en souriant à vos poumons. Et sentez à quel point ces respirations et à quel point ces sourires vous accompagnent dans la relaxation. Sentez à quel point votre corps se détend. Sentez à quel point votre esprit s'évade. Inspirez en vous concentrant sur vos épaules. Expirez en souriant à vos épaules.
Puis inspirez en vous concentrant sur votre cou. Expirez en souriant à votre cou. Il y a vos bras qui vont pouvoir se détendre autant que le reste de votre corps. Alors inspirez en vous concentrant sur vos bras. Expirez en souriant à vos bras. Et pour finir et arriver dans un état de relaxation totale, inspirez maintenant en vous concentrant sur votre tête. Expirez en souriant à votre tête. C'est très bien. Je vais maintenant compter à rebours de 137 jusqu'à 127. Et pendant que je compte, vous descendez encore plus profondément dans cet état hypnotique, de plus en plus profondément. Vous pouvez compter avec moi dans votre tête ou bien m'écouter compter, comme vous préférez. Et quand j'arriverai à 127, vous serez 10 fois plus profondément détendu et réceptif à cette séance. 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127. Vous êtes maintenant 10 fois plus profondément détendu, relâché, relaxé, 10 fois plus profondément à l'intérieur de vous-même, dans cet espace hypnotique de transformation. Oubliant peu à peu votre vie d'adulte dans ce voyage qui débute, vous pouvez revenir à un état d'esprit enfantin grâce auquel on peut imaginer mille et une histoires,
Et dans cette expérience aujourd'hui, vous allez monter à bord d'une machine à voyager dans le temps. Mais avant cela, prenez le temps de l'observer. C'est une machine capable de réaliser des voyages extraordinaires. Cette structure massive, haute de 3 mètres et large de 2 mètres environ. Elle est au croisement entre un vaisseau spatial et une montagne de métal, faite d'un alliage argenté inconnu qui brille comme un miroir sous le soleil. Et sa surface est lisse, parfaitement arrondie, sans aucune aspérité ni rayure. Et la porte d'entrée de la machine est un cercle parfait qui s'ouvre lentement et silencieusement en glissant sur des rails dissimulés dans la structure. C'est une porte dotée d'un mécanisme de verrouillage sophistiqué, composé de plusieurs plaques métalliques qui se replient les unes sur les autres afin de former une barrière étanche. Et sur le dessus de ce véhicule exceptionnel, il y a une rangée de lumières blanches qui s'allument et s'éteignent en rythme, comme si elles communiquaient entre elles. Elle crée un effet hypnotique et elle donne l'impression que la machine est en train de respirer. Au sommet de la machine se trouve aussi une antenne qui ressemble à un éclair enroulé sur lui-même. Et cette antenne est capable de capter les ondes temporelles qui permettent à la machine de voyager dans le temps et l'espace afin d'explorer de nouvelles dimensions. Quant à la base de la machine, elle est surmontée de 3 puissants réacteurs qui permettent à la machine de réaliser des sauts quantiques. Les réacteurs émettent une lumière bleue vive qui crée une aura bleutée autour de la machine et qui donne l'impression qu'elle est en train de flotter dans les airs.
et en vous approchant de la porte d'entrée, vous ressentez une légère vibration sous vos pieds. La porte s'ouvre lentement et vous pouvez sentir une légère brise froide sur votre visage. Et une fois à l'intérieur de la cabine, vous ressentez une curiosité palpable, comme si vous étiez sur le point de vivre une aventure extraordinaire. Toutes ces lumières qui clignotent et les écrans tactiles qui recouvrent les murs de la cabine donnent l'impression d'être dans un vaisseau spatial futuriste, prêt à partir quelque part. Et vous prenez vos marques à votre rythme dans cette machine. Remarquant un siège qui vous est réservé et qui semble confortable, il est protégé par un tissu de couleur gris, relativement épais et qui semble très moelleux. Et vous vous installez dans ce siège. Les écrans tactiles de la machine sont incroyablement avancés, avec une interface futuriste et une précision de pointe. Tous les boutons, toutes les commandes surgissent de manière fluide et intuitive lorsque vous en avez besoin. Et chaque écran est organisé autour d'un noyau central qui affiche la date et l'heure actuelle, ainsi que le lieu où vous vous trouvez dans le temps et l'espace. Vous pouvez utiliser cette information pour vous repérer dans votre voyage dans le temps et vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Et en plus de tout cela, les écrans tactiles permettent de naviguer dans l'histoire et de choisir où vous voulez aller. Vous pouvez sélectionner une date et un lieu spécifique en utilisant un système de navigation avancé. Il vous permet, par exemple, de zoomer sur une carte du monde ou une carte de l'univers, de rechercher des événements historiques spécifiques. C'est une technologie impressionnante et vous avez la sensation de faire partie d'un film qui fait écho à vos souvenirs d'enfance. Et une fois que vous avez choisi votre destination, les écrans fournissent des informations détaillées sur l'endroit où vous allez
et sur les événements qui s'y produisent. Vous pouvez voir des images en temps réel de votre destination, des graphiques et des diagrammes, ainsi que des données historiques. Vous pouvez voir des images de l'environnement, des données sur la température, la pression atmosphérique, l'humidité, ainsi que des informations sur les objets et les personnes qui se trouvent à proximité. Et maintenant, vous vous sentez prêt à explorer le temps. Alors, en vous aidant des écrans, vous allez entrer, si ce n'est pas déjà fait, l'année que vous aimeriez découvrir dans un lieu précis. Prenez le temps de sélectionner votre destination. Peut-être que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur votre vie dans 5 ans, dans 10 ans ou même dans 20 ans. Avez-vous envie de découvrir la personne que vous deviendrez? Votre apparence physique ou les personnes qui font partie de votre entourage dans cet espace-temps précis. Alors prenez le temps de sélectionner ces informations. Installé confortablement dans votre siège, vous avez sélectionné votre destination sur les écrans tactiles et la machine à voyager dans le temps s'apprête à décoller. Vous pouvez sentir une légère secousse alors que la machine se prépare à quitter votre point de départ dans le temps et l'espace. Puis vous commencez à accélérer rapidement. Vous
vous pouvez sentir la pression dans votre corps alors que la machine accélère à une vitesse incroyable. Elle dépasse les limites de la vitesse de la lumière pour entrer dans le continuum espace-temps. Le paysage extérieur commence à se transformer rapidement alors que vous vous éloignez de votre point de départ. Vous pouvez voir les étoiles scintiller et les galaxies s'étendre à l'infini devant vous. Des éclairs lumineux zèbrent l'espace alors que vous passez par des portails temporels qui vous permettent de sauter d'une époque à l'autre avec une facilité étonnante. Le trajet peut paraître un peu turbulent avec des virages serrés, de fortes accélérations alors que vous vous déplacez à travers toutes les époques, tous les lieux de l'histoire future. Et en parallèle, vous profitez d'une vue imprenable sur les événements, sur les endroits célèbres que vous traversez. Et il est temps d'atterrir dans votre vie future. D'ailleurs, le paysage extérieur commence à se transformer une fois de plus, tandis que vous approchez de votre destination. Des lumières colorées scintillent et clignotent, et la machine commence à descendre lentement, prenant contact avec le sol d'une manière fluide et sans secousse. Et lorsque vous sortez de la machine, vous ressentez une vague d'émotions vous submerger, alors que vous explorez votre vie future. Tout autour de vous, il est possible que vous découvriez des technologies ou des innovations qui n'existaient pas dans votre époque d'origine. Il y a toujours en vous cette curiosité face à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Cette vie future qui est votre présent maintenant est remplie d'aventures, de technologies étonnantes, de nouveaux horizons à explorer. Et vous êtes inspiré, motivé pour découvrir toutes les merveilles que cet avenir, qui est le présent,
peut vous offrir. Et alors que vous continuez à explorer cette nouvelle vie, vous êtes soudainement surpris par une rencontre inattendue. Vous tombez nez à nez avec une version plus âgée de vous-même. Et vous êtes également heureux de voir que vous êtes en bonne santé, que vous avez accompli beaucoup de choses. Et votre vous du futur vous invite à discuter avec lui. Il vous demande comment vous allez dans le passé. Et de votre côté, vous lui posez des questions sur votre vie future et il vous répond honnêtement. Il vous fait part des réussites, des défis. Votre vous du futur vous encourage, vous rappelant que vous avez la force et la capacité de surmonter tous ces défis. Il vous rappelle que la vie est remplie d'incertitudes et d'obstacles, mais que chaque défi surmonté vous rendra plus fort et plus résilient. Et avec cette rencontre incroyable avec votre vous du futur, vous vous sentez inspiré et motivé à poursuivre votre vie dans votre réalité avec plus de confiance et de détermination. Et vous êtes prêt à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Sachant que votre avenir est rempli de promesses et de possibilités infinies. Vous avez rencontré votre vous du futur qui a fait face à des moments difficiles et qui a connu aussi de grandes réussites, qui a trouvé un certain bonheur. Et cela montre aussi que la résilience est essentielle pour affronter les défis, les changements de la vie. Être résilient signifie être capable de rebondir après les épreuves et de s'adapter aux situations difficiles en gardant l'espoir et la motivation pour l'avenir. Et votre vous du futur est un exemple inspirant.
Et à présent, je vais me taire pendant 10 minutes. C'est un temps appréciable et suffisant pour que vous partiez de manière solitaire, sachant que je suis toujours là, à vos côtés, afin de découvrir tout votre environnement. Laissez votre inconscient vous emmener là où vous avez besoin de circuler, de découvrir. Toutes ces choses peuvent être surprenantes. Et je reviens vous chercher tout à l'heure. Thank you.
C'est très très bien. Et le temps est venu de rentrer chez vous. Pour cela, vous vous dirigez vers la machine à voyager dans le temps. Et une fois installé, vous appuyez sur le bouton pour activer le retour. Et la date d'aujourd'hui dans la réalité de cet espace-temps s'affiche, ainsi que le lieu où votre corps se repose depuis un moment déjà. Et la machine commence à émettre un bourdonnement familier. Le voyage de retour se déroule rapidement, tandis que vous vous adaptez à la vitesse et à la direction de la machine. C'est bon cette sensation de retrouver vos proches, vos amis, de retrouver votre corps, vos sensations. Et finalement, la machine ralentit et vous vous retrouvez dans la même pièce où vous avez commencé votre voyage dans le temps. Vous regardez autour de vous, reprenant peu à peu conscience de votre vie actuelle. Vous souvenant de ce que vous avez vécu et appris. Mais vous êtes maintenant de retour dans votre vie quotidienne. Et vous vous sentez prêt à relever les défis, les opportunités qui vous attendent avec une confiance renouvelée en vous-même et en votre capacité à faire face à l'inconnu. Et maintenant que vous avez pu vivre cette expérience, vous allez revenir de cette exploration avec de nouvelles ressources, revenir avec de nouveaux apprentissages. Et ces ressources et ces apprentissages vont pouvoir vous aider de façon bénéfique dans votre vie actuelle. Et vous pourrez profiter de tout cela de façon immédiate
et vous pouvez intégrer tout ce qu'il y a à intégrer de cette merveilleuse expérience de futurisation au plus profond de vous-même, tandis que vous pouvez commencer à revenir vers un état de conscience éveillé à votre rythme. Comme si vous sortiez d'un rêve profond et ce rêve agréable va s'estomper. D'ailleurs, je vais compter de 1 à 5 et quand j'arriverai à 5, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir avec moi, ici et maintenant dans le présent. 1. Vous vous sentez bien, plein d'énergie, reposé et apaisé. 2. Vous entendez plus distinctement les bruits autour de vous, comme si vos oreilles étaient plus attentives encore. 3. Vous pouvez bouger les extrémités de votre corps, par exemple, pour commencer. Vos mains, vos pieds, votre tête. 4. Ces mouvements qui vont en amener d'autres, plus amples encore. 5. Vous pouvez commencer à apercevoir de la luminosité derrière les paupières. C'est une sensation agréable de revenir dans toutes les perceptions, toutes les sensations. Et 5. Vous pouvez ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant. Vous vous sentez bien, détendu. Et vous continuez à réaliser votre retour à votre propre rythme, comme c'est agréable pour vous, jusqu'à être totalement là, totalement présent. Je vous remercie bien évidemment pour votre confiance habituelle, et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure.